Quand j'ai été vu, j'ai tout de suite su que je t'aimerais à tout jamais. Si je pouvais, Julio Caracas, qui sera bientôt de passage à Montréal pour la première fois en 17 ans de carrière et de succès. Mesdames, mademoiselles, c'est un rendez-vous à ne pas manquer! C'est pas bien de penser! Le gros, c'est la pure vérité. As-tu vu Nicole? Me semble que ça fait un bout qu'elle n'est pas venue aux rencontres. Ah, parle-moi-en pas. Depuis qu'elle utilise les pilules coupées du Dr. Chesterfield, elle a perdu 30 livres. Elle n'a plus besoin de venir ici. Les pilules du Dr. Chesterfield? Mais ça n'a pas été retiré du marché! C'était plein d'effets secondaires! Mais justement, c'est ça qui l'a beaucoup aidé à perdre du poids. Je vois plus rien! Il est où mon frigo? J'ai faim! Je vais manger! Ah, ben comme on dit, c'est les résultats qui comptent. Attention, s'il vous plaît! Groupe, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oh non! Dites-moi pas que l'activité Nachos est annulée. Ben non, Pauline, c'est pas ça, là. C'est Maryse. Elle vient d'avoir une rechute. Non! On l'a retrouvée inconsciente dans le stationnement d'un poulet frit. Il paraît qu'ils ont trouvé une grande quantité de sauce aigre douce dans son sang. Elle est tombée dans un coma profond. Les docteurs savent pas quand elle va se réveiller. Mais c'est épouvantable! Pauvre Maryse. Hey, ça fait longtemps que je la connais. Elle grossit ici, à Napierville. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Maryse avait deux billets VIP avec laissez-passer backstage pour le spectacle de Julio Caracas dans 3 mois. Et vu qu'elle pourra pas y aller, eh bien, on va les faire tirer entre nous autres! Yeah! Oh oui! Hey, nous les foutons! Julio Caracas, c'est ton préféré! Peux-tu croire, Ginette? Dans 3 mois, on va être dans la loge de Julio Caracas! Ah, pour être contente, je suis contente. C'est juste que, de la façon qu'on a eu les billets, j'ai comme un petit malaise. J'ai gagné! Hein? Mais là, Ginette, j'avais pas le choix! C'est Julio Caracas! C'est l'homme de mes rêves! Mon idole de jeunesse! Depuis que je suis grosse comme ça! Je pouvais pas laisser passer ça, voyons! J'ai la chance de le rencontrer en personne! Imagines-tu? D'un coup, qu'il me trouve de son goût. Franchement, Carole, les superstars comme Julio Caracas, ça fréquente plus les filles genre Victoria's Secret. Pas les tétonnes comme nous autres. Je sais, Ginette, je sais. Puis c'est pour ça qu'à partir de maintenant, je me mets au régime! T'étais pas déjà au régime? Non! Mais cette fois-ci, c'est sérieux! Check-moi bien aller! Dans 3 mois, les mannequins de Victoria's Secret vont être jalouses de mon bandin!
Mais voyons, Carole, exagère pas, là. Tu portes du linge extra large, t'as la misère à rentrer dedans. Mais justement, je vais prendre les grands moyens. Fini les cheeseburgers doubles, les milkshakes aux oreillons pis les sandos caramel. Mon Dieu! Hey, t'as l'air décidé. Oui, madame! Regarde-moi bien aller, si on prend à gagner le 100 mètres aux Jeux olympiques, moi, je suis capable de perdre 150 livres en 3 mois, OK? Ben, on prend à jamais gagner le 100 mètres aux Jeux olympiques. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. Je le sais que je suis capable. T'as raison, Carole. T'as tellement raison que j'ai presque envie d'embarquer avec toi. Oui, oui, ça, c'est une super bonne idée. Ensemble, on va s'encourager mutuellement, là. On est certaines de réussir. Oui, 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 je le vois, je le vois. Tu vas voir ma Ginette. On va fondre comme une montagne de crème glacée dans le Sahara. Wow. Juste d'en parler, je me sens déjà fondre, c'est fou. On est capable, on est capable. Oui, on est capable, oui, oui, on est capable. Attends-moi 2 secondes. Oui, ça va être 2 trios de cheeseburger extra cheese avec 2 entrées de McRoquette puis 2 Coke Diet, s'il vous plaît. Toi, tu veux-tu quelque chose? Hi, bonjour tout le monde et bienvenue au Barbara Watson Show! Aujourd'hui, nous recevons une maman de 39 ans, divorcée, diabétique et allergique aux noix, qui du jour au lendemain a décidé de prendre les grands moyens et a perdu 245 livres! Regardez bien ce qui suit. Hi. Bonjour, mon nom est Cathy Williams et je suis un ex-totone. Last April, il y a un an, j'ai atteint le fond du baril, comme chaque semaine. Mais à la place de m'en acheter un autre, comme d'habitude, j'ai décidé de me prendre en main. No more! Vous savez, plusieurs personnes de mon entourage disaient que c'était impossible pour moi de retrouver une taille normale. Mais c'était avant que je découvre la clinique Murphy du Dr. Murphy. On m'a liposuccé 245 livres de gras. On m'a refait la face et les fesses. On m'a posé une nouvelle poitrine, des nouvelles babines. Et j'ai reçu plus de 70 injections de Botox un peu partout. All over my body. On a beau dire ce qu'on voudra, le bistouri, ça marche en titi. Hell yeah! Back in the days, avant, quand je me promenais dans la rue, les gens m'écriaient toutes sortes de choses. All sorts of things. Hey, fat! Hey, la grosse! Quand tu marches un kilo, est-ce que ça fait... Beep, 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 beep. But now, aujourd'hui, tout a changé. Hey, baby! Hey, bébé! Si tu tombes en pleine face, est-ce que tu rebondis? Thanks to the clinic of grâce à la clinique Murphy du Dr. Murphy, je fais l'envie de toutes mes amies toutounes. Wow! Merci, Dr. Murphy. Merci. Thank you, Dr. Murphy. Thank you. Congratulations. Bravo, Katie! Bitch. Ladies Mesdames and gentlemen, et messieurs, Cathy Williams! Hey, c'est pas bête, ça. On pourrait essayer la chirurgie comme Cathy Williams? Oui, oui. Parce que là, ça fait 2 semaines qu'on est au régime. J'ai pas perdu une livre encore. Moi, j'en ai pris 4. Ginette. Je te propose un nouveau programme en 2 étapes. 1, on finit notre balle de trompette. 2, on va à la clinique du Dr. Murphy. J'achète! Oui, bonjour, Madame Rabiard. Ici la secrétaire du Dr. Murphy de la clinique Murphy. J'ai regardé votre dossier, puis votre dernier lifting remonte à 2006. Ça doit être retombé pas mal, là. Vous seriez dû pour un petit relifting. Oui, 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 c'est comme vous voulez. Vision Mastercard. On prend même vos vieux bijoux. Excellent! À bientôt, Madame Rabiard. Bonjour, mesdames. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait perdre 150 livres en 2 mois. Est-ce que c'est possible? Ah! Avec la chirurgie de nos jours, tout est possible. Regardez, je vais vous montrer nos différents forfaits. On a tout d'abord le forfait quattro, qui consiste en 4 liposuccions. Bédaine, fesses, menton, cuisse. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On a ensuite le forfait séduction, qui consiste aux liposuccions bédaine, fesses, menton, cuisse, auquel on ajoute une paire d'implants mammaires.
C'est un excellent rapport qualité-prix, notre meilleur vendeur. J'achète, j'achète! Attendez! On a aussi le forfait Extase, qui regroupe les 4 liposuctions, les 2 implants mammaires, mais en plus, on rajoute des implants fessiers, un lifting, du collagène dans les babines, un nouveau-né, 80 injections de Botox, le tout pour bien fixer votre silhouette. C'est ça qu'il nous faut! Combien ça coûte? 39 000 $ 39 000 $ Plus taxes. Sac de chip! Hey, c'est pas donné. Mais à ce prix-là, vous recevez un certificat cadeau pour une épilation gratuite des aisselles et un beau petit miroir de poche. Oh, c'est super, ça. C'est... Ben oui, mais Carole, t'as pas 39 000 $ voyons donc! Ah, ben on offre différentes options de financement. Prenez-moi, par exemple, là, mon sein droit, il est déjà tout remboursé. Puis mon sein gauche, je vais être fini de payer début 2020-2022, là, dans ce coin-là. Bon, pour 200 $ environ, on a quoi? Pour 200 $ Et là, vous avez un abonnement de 6 mois au gym pour aller suivre avec le reste du monde qui a pas l'argent. Je veux voir le Dr. Murphy tout de suite! Calmez-vous, madame. Vous voyez pas que je suis avec des clientes? Non, je me calmerai pas! Vous voyez pas que ça, c'est tout à fait, c'est son affaire! Oh non! Je pense qu'on devrait essayer l'exercice. Bonne idée. Je veux voir le Dr. Murphy tout de suite! Le secret est dans le rhythm. C'est un bon rhythm, c'est un bon body. Isn't it amazing? Ça chatouille. Devenir folle, Carole. J'ai l'impression que la photo du cheeseburger vient de me faire un clin d'œil. Ignore-le, Ginette. Ignore-le. Ah ben. Si c'est pas mes deux clientes préférées. Salut, Réal. Qu'est-ce que je vous sers, mesdames? Ce midi, le trio Poutine est en spécial. Ça vient avec 2 pogos, un petit cop de moutarde puis une grosse liqueur jumbo. Non. Apporte-nous 2 salades de radis avec 2 verres d'eau diète. Elle est bonne! Pas une joke, Réal, là. Moi pis Ginette, on s'entraîne pis on suit un régime. Un régime? Mais pourquoi? Vous êtes parfaite! Vous êtes super belle, super en santé! Ouais, ben, on commence à trouver qu'on est un petit peu trop en santé. Ben voyons, les filles! Vous pouvez pas me faire ça! Vous êtes mes 2 plus grosses clientes! Réal, rajoute-en pas, là. C'est déjà assez dur comme ça. Et viande! Dis que vous étiez à 3 burgers d'avoir votre photo sur mon mur! Ginette? Ben voyons, Ginette, qu'est-ce qu'il y a? J'en peux plus, Carole! Je peux pas continuer! Ça fait 3 semaines que je suis comme une cochonne pis je suis même pas sûre d'avoir perdu 2 livres! Décourage-toi pas! Ce matin, j'ai pris le facteur pour un gros pogo pis j'ai couru après jusqu'au bout de la rue avec mon pot de moutarde! C'est des signes qui mentent pas, ça, Carole! C'est des signes qui mentent pas! J'ai faim! Mon Dieu. Hey, bouge pas, Ginette. Je vais m'occuper de toi, moi. Ginette, tu peux pas me laisser tomber comme ça. Qu'est-ce que tu fais de Giulio? Souviens-toi, on est capable! C'est juste un petit moment de découragement, ça va passer. Non. C'est pas un moment de découragement. C'est un moment de lucidité. Je suis bien grosse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime ça, moi, manger du poulet frit, des hamburgers ou les 2 en même temps. Tiens, mange ça, ma Ginette. Mange! Toi aussi, Carole, là. Prends-en, là. C'est ma tournée. Non. Moi, je veux maigrir. Je veux que Giulio Caracas me trouve belle et sexy. Je veux une salade de radis. Wow, t'es vraiment décidé, hein? Écoute, si tu veux vraiment perdre du poids, je peux peut-être t'aider avec l'entraînement. Qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi? J'ai déjà été champion de culturiste, moi. Champion de culturiste, toi? Arrête. Certain? J'ai gagné Monsieur Longueuil on the beach 2 années de suite avant mon accident. Mesdames et messieurs!
messieurs, le grand gagnant, monsieur Longueuil on the Beach, 1976, et Alan Thibodeau! Je me suis cassé la jambe à trois endroits, puis je me suis craqué deux vertèbres. Fini le culturisme. Puis t'accepterais de devenir mon coach, Réal? Oui, madame. Mais je t'avertis, si tu me prends comme coach, pas de niaisage. On va jusqu'au bout. Ça va être tough, puis ça va faire mal. Je suis prête, Réal, je suis prête. Je t'ai vu comme coach. OK, marché conclu. On commence demain à 5 heures du matin. 5 heures du matin? Aïe, je savais pas qu'on pouvait s'entraîner en dormant. Nerveux, je sais pas pourquoi, mais ça me donne assez faim. Je pense qu'il nous a vus. Il s'en vient par ici. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et toi, tu es la plus jolie créature que j'ai jamais vue manger une petite saucisse. Comment tu t'appelles? Qui, moi? M'appelle Ginette. Ginette Blouin. Ginette. Je te trouve très miam miam, Ginette. Je m'appelle Julio. Ben là, franchement, je le sais, je suis pas de plus grosse fan. Mais qu'est-ce que tu manges pour être jolie comme ça, Ginette? Ben là, je mange pas mal n'importe quoi, là. Ne bouge pas. Bien, Ginette, j'ai des profiteroles dans ma bagnole. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pauvre petite crotte. Dis-moi pas que t'avais pas remarqué que Julio préférait les femmes enveloppées. Regarde autour. On est toutes un peu totonnes ici. Ah ben, j'ai mon maudit voyage! Wow!
Hey, c'est-tu pas la grosse vie, ça? Hein? Grosse? Mais hein. Tu sais, Carole, je trouve que tu es vraiment plus jolie comme ça. Grand fou! Hey, merci, Gidio. Puis tiens-toi bien, je suis pas encore à mon top, là. Ça, c'est juste un début. Hot dog, moutachou! Yay! Hey, c'est vraiment gentil de m'avoir invité, Monsieur Caracas. Ah, Carole et Ginette m'ont dit que c'était grâce à vous si elles étaient si jolies. Faut pas exagérer quand même. Tut-tut-tut-tut! Ton trio Poutine Jumbo a grandement contribué à notre développement physique et mental. C'est toi qui avais raison, Réal. La vie est bien trop courte pour la passer au régime. L'important, c'est d'être en harmonie avec sa bédaine. Voilà! Un toast au retour de notre belle Carole! À ma bédaine! À ta bédaine!